Bonjour Johan. Jeudi se joue une demi-finale de la Coupe du Midi en 17 ans à Auné. Qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire par rapport au club, parce que en jeune, il y a eu rarement de finale connue ou par rapport à cette Coupe du Midi. L'année dernière, on a vécu un moment magnifique que les joueurs se souviennent. Ça a été, fabuleux pour le club. Première année où on atteint un tel niveau de la compétition. Ça a apporté beaucoup de choses positives pour l'équipe, pour le groupe et aussi pour le club. Ils ont vécu quelque chose de très fort. Et ça a permis de fédérer l'équipe et les joueurs et de se rendre compte de ce que c'était un peu de toucher le haut niveau, on dira. Alors du coup, c'est très bien. De là à rejouer de suite la saison d'après, retoucher un peu à ces phases finales, je trouve que c'est très fort. Par rapport au club, ça prouve qu'on avance, qu'on progresse. Du coup, je trouve que c'est vraiment très fort. C'est pour ça que je tiens à féliciter Julien, mon ami qui entraîne les U17, et aussi tous les joueurs U17 qui arrivent à renouveler cette performance, sachant que bon, nous, on était, je dirais, le petit poussé l'année dernière. Cette année, il n'était pas. Ça devait être encore plus dur, je pense, pour eux. Parce que quand on est tenant du titre, c'est toujours... On voit l'adversaire, et puis Auné Château était connu en tant que tenant du titre. Du coup, c'est vrai que ça a dû être encore plus dur. Après, voilà, je tiens vraiment à les féliciter d'arriver déjà jusque-là. Après, ils ont quand même un gros, gros match à jouer contre Lourdes. Ça va être compliqué, ça c'est clair. Ils sont premiers, Lourdes, je crois qu'ils vont monter en national, ce qui prouve que ça va être dur. Mais bon, voilà, il faut qu'il y ait du monde au stade, il faut que tout le monde se mobilise pour soutenir ces joueurs et cette équipe pour qu'ils puissent renouveler, je dirais, un petit peu l'exploit de l'année dernière. Et on sera tous derrière eux, ça c'est clair, et moi le premier. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est la demi, c'est une chance de recevoir. C'est une chance de recevoir, ils ont cet avantage-là. Il va falloir qu'ils en profitent, quoi. Voilà.